5, 4, 3, 2, 1, feu. Il y a un champ de tir, et au-delà du champ de tir, il y a un périmètre de tir. Et quand on avait le régiment d'artillerie, le 33e RA, sur Poitiers, bien souvent les obus allaient au-delà du champ de tir lui-même. Donc dans ce périmètre, qui est sur un terrain appartenant à l'ONF, qui fait partie donc de la forêt domaniale de Vouillé-Saint-Hilaire, mais aujourd'hui pour une exploitation sécurisée des bois, l'ONF demande à ce qu'il soit purgé du maximum d'obus qui restent sur le terrain. C'est du 75 mm et on a du 105 mm. Mais là on est en présence d'un culot de 155 mm. Donc ce sont des obus qui font entre 40 et 50 kg. Donc on va s'approcher un petit peu plus tout à l'heure avec le quad pour aller les chercher. Donc cette opération a consisté à repérer dans un premier temps, à ramasser dans un deuxième temps et à les rassembler pour les détruire. Donc aujourd'hui, on va détruire ces obus par pétardement. Donc derrière vous, vous avez vu les foyers de destruction. Et donc après, on amorce et, quand tout le monde est en position de sécurité, et on va faire le pétardement. Il est vraisemblable qu'il en restera, alors bien évidemment il faut que les gens restent très très prudents avec ces munitions, on ne sait jamais, alors donc je leur conseille de venir le déclarer en mairie s'ils le trouvent, et après la mairie avisera et fera ce qui est nécessaire de faire.